Que vint Gudge lyncher. Cette photo qui lui vaut toutes les moqueries. Que vint Gudge vient de faire réagir ses fans sur Instagram en suscitant beaucoup de moqueries. Découvrez pour quelles raisons l'année 2019 a marqué à vie le couple Carla Moreau et que vint Gudge. En effet, cette année a été très importante pour eux. Dans un premier temps, ils sont devenus parents avec l'arrivée de leur adorable Ruby. Mais aussi, ont franchi un cap important dans leur relation. En effet, le beau gosse a demandé sa chérie en fiançailles sur le tournage des Marseillais aux Caraïbes. Mais cela n'empêche pas le jeune homme de susciter quelques moqueries. Un moment important qui a ravi les fans. Mais pour sa dernière photo publiée sur Instagram. Pas pour son mariage, bien entendu. Depuis que Kevin Gudge est devenu papa, cela l'a encore plus rapproché de Carla. Les deux semblent enfin fous amoureux l'un de l'autre et se font de nombreuses déclarations. Et leur amour semble si fort que le papa de Ruby porte même les vêtements de sa chérie. Que tout le monde se rassure, que Kevin Gudge ne porte pas non plus de la lingerie. Toutefois, il vient d'apparaître avec un vêtement de sa femme sur son compte Instagram comme vous pouvez le voir dans le cliché ci-dessous. Un choix qui a suscité les moqueries de ses fans. Que vint Gudge fait rire ses fans en s'habillant comme Carla, nous ne savons pas vraiment s'il s'agit d'un kimono, d'une robe de chambre, ou encore autre chose. En tout cas, une chose est sûre, l'habit appartient bel et bien à la femme de que vint Gudge. Et ses followers semblent donc le savoir. En effet, la plupart n'a pas tardé à réagir en découvrant le cliché en question. Se moquant donc du jeune homme, t'arrête pas de faire des photos avec le gilet de Carla, qu'est-ce qui t'arrive? T'es en dépression? Pas de style le mec. Le kéké des plages. Quand tu mets la robe de chambre de ta meuf. Apparemment, le choix de Kevin Gudge ne semble pas avoir convaincu sa communauté. Depuis plusieurs mois. Il nage en plein bonheur. Le papa de Ruby s'en moque sans doute. Et même s'il se fait critiquer pour son style vestimentaire, cela lui passe sans doute au-dessus de la tête.